Alléluia. Je crois en Dieu qui remplit le cœur et qui influence aussi la vie de l'homme. Quand tu habites dans un homme, la vie de cet homme devient la parole. Alléluia. Bona nini koloba ete nzambe ye ako talaka se motema nanga ye ako talaka te oyo na kosalaka ete ye afandi se na motema kasi ngai nebi nzambe na bomoi soki afandi na motema na yo nyonso ya yo ekotatola bomoi na yo ekotatola ndeko ata elateli na yo sar ekotatolaka soki nzambe soki afandi na motema bomoi na yo ekotatolaka soki afandi na motema na yo nyonso yo kosala ekotatola soki afandi na motema elobeli na yo ekotema se liloba au lieu de me prêcher une prédication ah oui vive moi cela. Lorsque vous vous justifiez à cet ambitieux, ne sautez pas plus haut que votre propre vie. Ne parlez pas plus fort que votre témoignage. Nous avons besoin de ces hommes qui sont tout calmes et tranquilles. Mais leur vie parle, leur vie manifeste la parole. Laissant Dieu s'exprimant dans leur vie, une vie capable d'échanger un païen. Soki nzambe, soki afandi na motema, elobeli na yo ekotatola ya ya. Soki afandi na motema na yo, nyonso yo kosala ekotatola. Soki afandi na motema bomoi na yo ekoteya nse liloba ye la vie de Dieu est dans un homme c'est juste comme une lumière qu'on ne peut jamais éteindre cela doit se manifester. Même Pierre a voulu cacher cette lumière, mais cela se manifesta seulement par sa façon de parler. Car lorsque Dieu habite dans un homme, c'est pour être adoré et aussi adoré. Alors dis-moi qui avait dit au peuple d'Antioche que les disciples de Jésus s'appelaient chrétiens. C'était la vie de Christ en eux qui se manifesta. Ils étaient appelés chrétiens. Toi, tu ne feras pas des efforts pour vivre la parole du Seigneur. Ton devoir, c'est de s'abandonner. Dieu lui-même vivra sa parole en toi. Car soki nzambe, soki afandi na motema, bomoi na yo ekotatola. Soki afandi na motema, elobeli na yo ekotatola. Zaya Yesu, soki afandi na motema na yo. Seigneur, écoute-toi, 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 écoute-